Salut les people! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Invité du podcast Color Daddy sur Spotify, Gwyneth Paltrow n'a pas hésité à révéler des détails sur ses relations intimes avec ses ex, notamment les performances sexuelles de Ben Affleck et de Brad Pitt. La comédienne a commencé par confier qu'ils étaient tous deux très doués pour embrasser, avant d'enchaîner sur leurs performances sexuelles. C'est très difficile de les départager car il y avait une vraie alchimie avec Brad, proche de celle que l'on a pour l'homme de sa vie, j'étais accro. Et puis Ben était, genre, techniquement parfait. Je n'arrive pas à croire que ma fille écoute ça. A balancé Gwyneth Paltrow. L'actrice de 50 ans s'est ensuite pliée au jeu du « fuck, marry, kill », soit en français, « sauter, épouser ou tuer ». Elle a donc comparé Ben Affleck et Brad Pitt, en y ajoutant son ex-mari, le leader du groupe Coldplay, Chris Martin. Et dans l'ordre, elle a donné Brad Pitt, Ben Affleck et Chris Martin. Si elle explique qu'elle pourrait envisager de se remarier avec Chris Martin, parce qu'il est le père de ses enfants, il semblerait que Ben Affleck lui ait également laissé un bon souvenir. Ben, ouais, que Dieu le bénisse. A-t-elle dit. Celle qui est aujourd'hui mariée au co-créateur de la série Glee, Brad Falchuk, a été en couple avec Brad Pitt en 1996, après leur rencontre sur le tournage du film Seven. Ils se sont fiancés dans la foulée avant leur rupture un an plus tard. Elle a ensuite partagé la vie de Ben Affleck, de 1997 à 2000, avant de tomber sous le charme de Chris Martin. Ils se sont mariés en 2003, et ont eu deux enfants ensemble, Apple et Moses. Ils sont officiellement divorcés depuis 2016. Gwyneth Paltrow est maintenant mariée à Brad Falchuk depuis 2018. À très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.